Bonjour Jean-Michel Hospitalier, comment Bonjour vas-tu? Mélanie. Alors, je vais te poser quelques questions pour mieux apprendre à te connaître. Alors, tout d'abord, qui es-tu? Je m'appelle Jean-Michel Espitalier, je suis écrivain, poète, performeur, musicien, parce que je suis aussi batteur. J'ai commencé à publier assez tard. J'ai commencé à écrire assez tôt, mais j'ai commencé à publier assez tard, enfin à 35 ou 36 ans. J'ai co-créé une revue qui s'appelait Java dans les années fin 80, les années 90. Arrêté en 2006, je crois, qui s'appelait Java et qui marchait bien, qui était une revue qui essayait de tenter d'explorer les nouveaux types d'écriture en poésie, mais le terme de poésie étant un terme un peu flou, au sens large, enfin, les nouvelles écritures contemporaines. Et voilà. Et donc, j'écris des livres. Et justement, depuis quand écris-tu? Moi, j'ai commencé à écrire très jeune. Alors, j'ai évidemment pas, j'ai pas souvenir du starting block, hein, de la scène originelle. Mais je pense que c'est d'ailleurs ce que je dis dans les ateliers, c'est qu'en fait, j'ai commencé à lire jeune. Et je pense que quand on commence à lire et qu'on est passionné par la lecture, on n'est pas loin de l'écriture. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu indécidable. Je sais que j'ai beaucoup lu dès le plus jeune âge. Mes parents, il y avait beaucoup de bouquins, mais en même temps, voilà. Donc, il y avait aussi un bain comme ça. Pour moi, les livres étaient quelque chose de. Bon, c'était une autre époque. Hein, c'est une époque où le livre était plus présent dans les foyers, mais en tout cas qui symbolisait une sorte de capital culturel. Un peu de temps est mort Henri Verne, l'auteur de Bob Morane. Moi, j'ai commencé à lire, enfin, j'ai pas commencé par ça, mais j'ai lu quasiment tous les Bob Morane et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté en termes de, je sais pas, d'imaginaire, choses comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de date précise, mais il y a en tout cas, comment dire, une ambiance de lecteur passionné, qui me donne envie en fait de me mesurer à ces auteurs-là. Voilà. Ouais, ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as une occupation préférée en dehors de l'écriture ou c'est que l'écriture, à mon avis? Non, c'est pas que l'écriture, mais l'écriture, elle est partout. C'est-à-dire que même quand je prends un verre avec des copains ou quand je voyage, etc., il y a toujours quelque chose qui est là, quoi. Il y a toujours quelque chose qui vient me percuter l'écrivain. Voilà. Après, voilà, moi, je fais de la musique. Voilà, j'adore écouter de la musique, j'adore aller dans les concerts. Alors, on était un peu privé, mais là, ça repart. Je commence à réserver là, pour la fin de l'année un tas de choses. Donc, c'est aussi quelque chose que j'adore. Et puis, je fais de la batterie. Bon, j'en fais aussi dans le cadre de mon écriture, parce que je fais des performances avec la batterie. Je joue avec d'autres, ou des musiciens, ou des poètes, enfin, sur des scènes plutôt expérimentales. J'ai acheté une batterie que j'ai laissée là-bas, et voilà. Donc ça, c'est des occupations qui m'occupent, qui me plaisent beaucoup. Toujours dans l'art. Ouais. Et donc tu donnes des J'aime bien le cours, vélo aussi. hein? Le J'aime bien vélo le aussi? vélo. Enfin, j'en fais un peu, mais j'aime beaucoup le Tour de France. Ah Alors oui, c'est que je n'aime pas pas du tout le mal. sport. C'est vrai. Le Tour de France, c'est aussi une écriture. Et donc tu animes des ateliers chez Les Mots. Alors je ne sais pas depuis combien de temps ça fait, Quasiment mais depuis depuis le le début. début? Ok. Et justement, je voulais savoir qu'est-ce qui te plaît dans l'idée d'animer ces ateliers? Ce qui me plaît, c'est d'abord de parler de littérature et de difficultés du travail. Voilà, avec des gens qui attendent ça, de savoir un peu comment je. Moi, je suis pas prof, j'ai pas un savoir universel ou général sur l'écriture. Si, je sais ce que c'est l'écriture, théoriquement, mais ça, il faut aller voir un prof de fac pour ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager ma pratique. C'est pour ça que j'ai appelé en fait le titre de l'atelier a à voir avec le bricolage, avec ces notions-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on discute du métier, du boulot, de la technique, de mes propres impossibilités aussi. Et j'aime bien faire partager ça à des gens qui eux-mêmes ont des impossibilités, d'ailleurs pas forcément les mêmes. Mais donc il y a cette espèce d'échange, et puis quand même de leur faire partager, pour ceux qui connaissent peu ou d'un peu plus loin, de faire partager ma passion pour la littérature et pour des littératures dites un peu plus difficiles, qui ne sont pas difficiles, mais plus exigeantes, des choses très simples, mais voilà, difficiles au sens où c'est pas du grand public, mais des choses qui sont des bombes atomiques. Quand on lit ça, moi, il y a des livres, quand je les lis, ça me retourne. Enfin, c'est comme aller voir un concert des Rolling Stones. C'est vrai. Et justement, je vais rebondir sur ton atelier. Donc, tu donnes un atelier à distance qui s'appelle Poésie, Invention, Montage et Bricolage, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème? Le terme de poésie, déjà, il dit un peu la suite de l'énoncé du titre, parce que poésie, ça vient du grec poïen, et poïen, ça veut dire faire, fabriquer. Il n'y a pas du tout de notion de littérature dans l'origine de ce mot. Donc le faire, le fabriquer, et ça, c'est pour moi, c'est capital. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on écrit, on n'est pas en connexion avec l'au-delà, avec les dieux, etc. On est en connexion avec une matière première qui résiste, qu'il faut pétrir, qu'il faut couper. On se rend compte quand on écrit que. C'est pour ça que moi, il y a quelque chose que je dis beaucoup, c'est qu'il faut beaucoup travailler, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas le travail au sens moral.
pas travailler pour voilà. Mais c'est juste qu'en fait, quand on veut fabriquer une machine, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas s'arrêter. Donc voilà, le bricolage, c'est ça. Ça permet de montrer que quand on écrit, on est sur un établi, quoi, sur un atelier, le meuble, je parle. Hein. Oui, ça résiste, la langue. C'est quelque chose qui résiste. Et on se rend bien compte que quand on écrit une phrase, et puis il y a un truc qui ne va pas, au niveau du son, au niveau du timbre, de la cadence, parce que tout ça, c'est du sens. Hein. La cadence d'une phrase, ça donne un sens particulier, ou des effets de sens. Puis hop, il suffit parfois d'enlever un truc, un adjectif, etc. Et là, elle marche très bien. Donc, c'est vraiment des effets de manipulation physique. Donc, ça, c'est du bricolage. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment l'atelier se présente? Alors certes, donc oui, il y a un exercice qui est donné chaque vendredi. Plusieurs exercices. Plusieurs exercices, bon ben voilà, déjà une publicité. Tu peux nous en dire un peu plus? Ben, alors en fait, j'essaie de faire pratiquer plusieurs types d'écriture, de manière aussi un peu ludique. Voilà, il y a un exercice aussi que j'aime bien donner, qui est basé sur les nouvelles ou les romans en trois lignes de Félix Fénéon. Félix Fénéon, auteur du début du XXe siècle, et qui racontait des faits divers en trois phrases. Donc c'était sa contrainte. Donc ça, évidemment, quand on est dans la réduction et dans le résumé extrême, ça crée des effets. Ce qui est très drôle chez Félix Fénéon, c'est que c'est parfois très glauque. Il raconte des faits divers qui sont terribles, mais il a trois lignes pour les raconter. Donc, ça crée des effets de raccourci qui sont assez comiques, quoi, mais un comique dérangeant. Voilà, ça, c'est le type de contraintes que je peux donner. Après, moi, évidemment, comme je suis un grand listeur, puisque je mets beaucoup de listes ou d'inventaires dans mes bouquins, quasiment tous mes bouquins, donc je vais travailler aussi sur la question de la liste, voir comment ça marche une liste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la liste, c'est quelque chose qui, a priori, est totalement banal, crétin. Comment lui faire infiltrer la littérature? Qu'est-ce que ça raconte? Et pourquoi, parfois, par liste, on dit mieux les choses, on dit mieux le monde qu'on pourrait le dire autrement? Sans compter l'aspect ludique, évidemment. Mais ça a l'air passionnant. Mais écoute, je te remercie, Jean-Michel Spitalier, pour ces réponses. Merci à toi. Et je te dis à bientôt dans ton atelier à distance. Poésie, invention, montage et bricolage. Merci.